Salut tout le monde! Hop, bonjour! Eh, j'ai pas dit coucou, hein. Je me suis dit, hop, attention! Ça commence à se connecter. Voilà, bon. Attendez, retournons une game. Ah ouais, le jeu vient de crash. Le jeu vient de crash! C'est pas grave. Il est rapide à se relancer. Il n'aime pas trop quand je fais des alt-tab et tout ça. Eh, c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu. Des fois. Il aime pas trop les logiciels de streaming et tout ça. Ça arrive. Voilà. Bon. J'en étais où? J'avais hâte de continuer, hein. J'ai développé une petite addiction à Mountain Blade. Voilà. Gérard Larcher. Pourquoi tu balances le nom de Gérard Larcher comme ça? Ouais, aucune idée. Leçon. Leçon. Voilà. Ah. Calpinus Rex, jour 100. Let's go. Bon. On en était où au niveau des mecs? À 42. Ah oui, mais j'ai pas réussi à trouver le. Je voulais aller voir si j'avais pas des arcs. Marchand d'armes. Parce que c'est vrai que mon arc est un peu vieillissant. Ah, mais là, tous les arcs, ils font 21, 16, 16, 21. Requiert force 10. Impossible de l'utiliser à d'autres chevals. Ah ouais, l'arbalète malheureusement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des... Non, 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 les arcs, je suis désolé, mais il n'y a pas des arcs de bons arcs hein, en soi. Hein. On va devoir faire avec. Hein. J'aurais espéré qu'il y ait peut-être des flèches... Non, des grands carquois de javelot. Des grands carreaux, des flèches. Carreaux, il n'y a pas de flèches... Ça, on peut l'utiliser à d'autres chevals. Arbalète légère fondue. 42 dégâts. Mais ça coûte combien? Prix d'achat, ça coûte que 60. Mais non, ça, c'est les arbres que j'ai vendus. Vous savez quoi? Je vais voir, je vais investir dans une arbalète. Coefficient de vitesse. Ouais, je sais pas si c'est le bon choix. Bon, peut-être qu'un jour, on trouvera un meilleur arc. Bon, on va voir si je ne tombe pas. Visiter la taverne. Il faut que je vende mes esclaves, moi. Le problème, c'est que je ne trouve pas le... J'ai pas trouvé le. Le vendeur. Le rançonneur. Il me fait chier, Rolf, là. On trouve pas ce qu'on veut, c'est terrible. Ce rang va la quitter. Voilà. Bon. Direction Nara, on va aller faire Nara, Almar, et on va retourner au front. En même temps, au passage, on va recruter. On va faire attention de ne pas tomber sur. Je crois qu'on est toujours en guerre. Ah, le château. Ah oui, on avait capturé le château là-haut pour la gloire du Khan. On va voir s'il y a. Recruter des volontaires, voilà. On recrute un peu de racailles sur le chemin. Ouh là là, attendez. C'est pas l'armée du Khan qui repart? Si, 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 l'armée du Khan repart en guerre. On va les suivre. Voilà. Non, non, mais c'est bon, je veux pas te parler. Nous sommes prêts à vous rejoindre. Voilà. Magnifique. Le jeu te plaît, le jeu est incroyable. D'ailleurs, qui souhaite vous parler avec vous. Attends, Ugun Wayan, au nom d'une tâche. Ugun Wayan. C'est qui Ugun Wayan? Bah c'est lui. Qu'est-ce que tu me veux, Ugun Wayan? J'aurais pas dû trop causer avec lui, mais c'est pas grave. Eh bien, les provisions de l'armée, ça me nuise trop rapidement. Oh non! Désolé, messieurs, mais j'ai d'autres plans, je suis pas ta pute. Je suis pas là pour chercher du bétail. Incroyable, ça. Les mecs, ils me prennent pour leur chienne, là. Ah oui, accompagné. Voilà, merci pour le clic droit. Voilà. On a une belle petite armée là. Vers où vous pensez qu'on va? Vers le château de. Oh là là, ça a brûlé. Voilà, allez. Battez-moi l'armée du Khan! Si elle n'est pas menaçante, 90. On va attaquer le château de Tilbot, visiblement. Voilà.
Le siège est en cours. Ah, Hiro, comment tu vas? Oh, regardez, l'armée du Khan qui arrive. Khan Sanyar avec 165 cavaliers. L'armée du Khana au grand complet. On est tous là. Toutes les bannières. C'est impressionnant, hein. On doit être 400 ou 500 au moins. Tu joues les Kergit. Ouais, j'ai pop là-bas. Premier run, jamais joué. J'en ai un peu chié au début parce que c'est pas facile d'être dans ce coin. Alors, le Royaume du Nord a déclaré la guerre aux Saranides. Ok, ça nous fait une belle jambe. Et nous, on va attendre que le siège se passe. Et après, on va aller à l'attaque. Et là, maintenant que ça commence à plus rigoler, je suis un vassal. Voilà. On a déjà mis quelques belles clacasses. Ah, des soldats sont prêts à être promus, attendez. On va faire évoluer les mes Kergit là que j'ai recrutés. Eh, même moi j'ai pris un niveau, attendez. Oh, tant pis, ça va attendre. Personnage, voilà, j'ai pris un niveau. Remettre un peu d'intelligence. Je suis un petit peu con-con quand même. Mandement. Équitation. Ouais, l'équitation c'est bien aussi. Hein. Équitation. La santé de fer. Peut-être un petit peu plus de santé, ouais. Confirmé, voilà. Comment on arrive à la pause? Ah, pub! C'est parce que t'es pas sub, ça. Tu vois? Les subs, ils ont pas de pub. J'avais appris ça il y a pas longtemps. Et dis-toi qu'en plus, je gagne quasiment rien sur les pubs. Hein. C'est des gros radins, Twitch. Hein. Alors moi, j'ai pas fait de tournoi, figure-toi. Oh, le budget! Ouais, mon argent qui se casse la gueule avec ces conneries, là! Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le... attaquer, là? Ce siège me coûte une... Oh, écoutez, vous savez quoi? Je me casse du siège. Je vais aller piller Tad Samesh. Au diable, les paysans. Entreprendre une action hostile. Forcer les paysans à vous donner des provisions. Piller le village et raser-le, voilà. Oh, ça me fait mal au cœur de... Allez, tant pis, j'ai besoin d'argent. Hein. Ah, mais il me fait chier, l'autre! Est-ce que je le pille, là? Ah, ça brûle, voilà. Vous avez obtenu 1000 points d'expérience. Ah ouais, c'est rentable. Vous avez obtenu 50 deniers! C'est de la merde! Bon, par contre, regardez, il y a des... Il y a des ressources, il y a de l'huile. Il y a du fer. C'est pas dégueulasse, il y a des dates. On va pouvoir vendre tout ça. Il y a des ressources pour le moral du groupe. Ah ouais, on s'est régalé. Fromage, pain... on va tout récupérer. Hein. On va vendre tout ça. Hein. Rentable, hein, le petit pillage. Hein. Par contre, j'aurai plus de loot pour le reste. Hein. Oh, la bataille a commencé. J'avais loupé la bataille. Approchez le camp de siège. Demandez une entrevue. Pourquoi, qu'est-ce qu'il me voulait? What is it? Non, je dois prendre congé. Ok. Rejoindre le prochain assaut. À la bataille! Oh là là, il y a du monde là-haut. Oh là là, il y a du monde là-haut. Oh là là là. Ouh là. Oh là. Ouf, ouf. Oh là là, il y a du monde. Oh la vache. 10 points de dégâts. Attendez, on va se cacher sous les murs. Là-bas. Faut que j'arrive à trouver un bon angle de tir sur les mecs là-haut. Oh là 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 là. Ok, ça a l'air de pousser. On est très nombreux. On va les manger à l'usure. Hein. C'est bon. Ici, c'est... Allez hop, on monte sur le mur. Let's go.
on grappe, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Allez, 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 allez. Oh là, il va me pousser ce con. Un bon poste de tir ici, regardez, 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 regardez. Allez, on les mange. Le petit tir de flanc là, c'est bon. Ici, c'est bon aussi, on va descendre. Et on va venir appuyer l'attaque. Il me reste 43 flèches. Oh là là. Oh. Oh le bâtard. Oh le bâtard! Oh les tirs d'arbalète, qu'est-ce que ça fait mal! Oh là là! Là-bas, j'ai pas vu. Ouf! J'avais pas vu sur le mur en face. Coupé. Coupé. Putain, je tire trop bas. Bon, il y a une nouvelle vague qui arrive. On les croque, hein. Il y a plus que les trois là-bas. On va les manger. Voilà. Toi, jeté, mon gars. Non, loupé. C'est bon. Allez, on a pris le château. Wouh. Bon, ah, 8 blés, 4 tués, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oh là là. Bon, le problème c'est que j'ai trop de prisonniers. On va essayer d'aller chercher une petite bataille. Le problème c'est que mes troupes font la gueule, il faut que je rentre à la maison, on va aller à Almar, on va rentrer. Se reposer, se recompléter, voir si on peut pas vendre mes putains de prisonniers. Le coup du royaume Kazar a décidé de remettre le château de Tibur à Ugunwayan. Ah, Ugunwayan, il se régale. Par contre, y a rien pour moi. Oh, il y avait l'émir qui était là. Allez à la taverne. On va bien finir par le trouver, le rançonneur. Pas de rançonneur. Firantis, peut-être à l'étage, mais je pense pas. Fais chier. Je suis vassal, figure-toi, Pyrrhus. Je suis vassal du Khan. Et on a mis des fessées absolument incroyables. Bon, on va aller vendre le matos. Non, quittez. Bah alors, on peut pas vendre. Place du marché. Bien. Alors. On va pouvoir vendre. Ouh là là, ça se vend bien tout ça. Ah ouais, ça se vend très très bien les ressources là. Les dattes, le pain je garde, l'huile je vends. Ah ouais, oh là là. Le pillage, j'ai honte, mais le poulet on garde, la bidoche on garde. Tout ça on va vendre, le sel. Ah ça, du sel j'en ai à revendre. Hein. On va vendre le poisson, le tissu de laine. Oh là là, ça nous met bien là. Le lin on vend, la soie. Oh là là, mais ils étaient riches ces bâtards là, regarde. Ah non, mais en plus, là, je lui ai trop donné. Je lui ai trop donné. Il a pas assez d'argent, ce con, pour moi. Voilà. Magnifique. Il a pas assez de... J'ai vu. On va se reposer un temps. Se recompléter. Et
Et on va aller voir si dans le groupe il n'y a pas des. Ah si, regardez, il y a des niveaux qui ont été pris. Ouais, mes mecs sont crevés. Les Ali, t'es crevé. D'ailleurs, les Ali, t'as pris un niveau, je crois? Ouais, les Ali, t'as pris un niveau. Parle-moi de tes compétences, les Alites. Hein. Les Alites, il fait quoi déjà, les Alites? Les Alites, c'était un très bon épéiste. On va continuer de lui mettre. Maître d'armes, bouclier. Voilà. Voilà, confirmé. Et j'ai oublié de mettre des points dans force. Confirmé. Voilà. On va redormir un petit coup. Let's go. Ça s'est mal terminé pour moi. Ah ouais, non, moi je me rebelle pas, je suis patient. Mais il m'a donné un fief, figure-toi. Ah ouais, on n'est pas des sauvages. J'ai attendu qu'ils reconnaissent ma. Oh, mais. Oh, ils me font chier que j'aille au banquet, à tous les banquiers du coin, là. On est obligé d'aller au banquet? J'ai autre chose à foutre, moi. Oh, Jérémus a atteint le niveau 8. Ça, c'est cool. Recruter des volontaires. Voilà. D'ailleurs, à Almar, j'avais pas vu, mais. Non, j'avais vu, mais il n'y avait pas la. Bon, on va filer plein d'or, on va aller à Nara. Fermé. On va aller à Nara. Hop là. Ça coûte cher, mais c'est rentable sur le terme. Écoute, j'ai pas l'argent pour le moment pour investir, ok? Visiter la taverne. Ah, il y a du monde. Non, il n'y a pas de. Le rançonneur est toujours pas là. Que nous. Ah si, rançonneur, c'est lui! Putain, quel tchad! Regarde ce que j'ai pour toi! Bon, le compte là, il veut pas être vendu. Oh là 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 là, on se régale. On se régale au niveau de thune là, ça fait plaisir. Ça se vend bien les chevaliers soidiens là. Regardez les chevaliers soidiens. 240! Voilà! Là, on s'est régalé au niveau de Thunas, hein. Tu n'es pas obligé d'aller au banquet. On va skip ce banquet et on va aller chercher la bagarre. Hein. On va redormir à Nara. On va reposer et on va faire la guerre. Hein. On va en profiter. Hein. T'as 7500. Bah, c'est pas beaucoup. J'arrive même pas. J'ai même pas de quoi me payer un arc neuf. On va aller voir le groupe parce que Jérémia a pris un niveau. Jérémus. Et Jérémus, il est pas dégueu. C'est mon. Allez, intelligence. Voilà. Jérémus, il a toute la chirurgie et tout. Le soin des blessures. Les premiers secours. Voilà, les. Voilà. Ouais, bon, c'est pas le plus fin, hein, Jérémus. Hein. Au niveau du combat, voilà. Ah, mais attends. J'ai oublié de te mettre des. Ah, je t'ai pas mis tous tes points. Je t'ai pas mis tous tes points. Soin des blessures. Voilà. Hop là. Voilà, confirmé. Parfait. Et on va aller voir. Attendez, je voulais aller voir pour un arc. Le marchand d'armes. Ah, 25 de dégâts. 25 de dégâts. 30 de dégâts. Il y a des meilleurs arcs ici, hein. 28. On va. 23 000! Ah ouais, il y a des arcs, mais ils coûtent une blinde, hein. Va falloir que je mette aussi des. Va falloir que je mette un peu de tension parce que. J'ai un petit arc de merde là, mais. Voilà. Attendez, si je pourrais vendre ça. Récupérer son argent à lui là. Voilà. Et on va. Ouais. Attendez. Il faut que je me débarrasse, quitte à brader. Oh putain. Oh les casques qu'il y a! Mais ça coûte beaucoup trop cher pour moi. Je suis pauvre as fuck. Non, c'est trop cher. Voilà. Allez, on s'est fait de l'argent. Moi, je dis, on va aller chercher la bagarre. Aussi, le genre le poulet. Ouais, mais malheureusement, là, il n'y a personne pour acheter quoi que ce soit. Bon. Ouais, des déserteurs.
On va essayer de trouver d'aller des. On va essayer de choper des petites armées qui se baladent pour faire du loot et de l'XP. Il y a des nouveaux châteaux là-haut. On pourrait peut-être aller piller aussi à Méré. Ah non, ça a déjà été pillé. Tu veux acheter un nouveau cheval, mais écoute, il est très bien mon cheval. Ah, près de Rindiar, le château de Rindiar. Il me semble que Rindiar, c'est là-haut. On va aller voir ce qu'il y a là-haut au château de Rindiar. Comme je dis, regardez. Royaume des Vaegir. Je suis pas en guerre contre les Vaegir. Il me semble que je suis pas en guerre contre les Vaegir. Alors. Tiens, tiens, tiens. Ah non, c'est un allié. Le comte Rafa! On le connaît lui! Oh putain! Non, 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 non! J'avais pas vu, ils sont un peu nombreux. Ouh là là, je crois qu'on a une grosse bataille qui se prépare. Regardez qui revient! Le Khan en personne! Allez! 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 Oh là là, on va avoir une énorme bataille! C'est parti! Let's go! Wouh! Le comte Jafar! Suivez-moi! Suivez-moi! À moi! À moi! Voilà! Laissez venir la racaille! Magnifique! Pas assez de vision là. Oh là, ça tire. Ils sont là-bas. On va se rapprocher de leur infanterie pour se débarrasser de leur infanterie tout de suite. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Voilà. Oula. Allez, on avance. Allez, on y va. Charge! Général! Dans les fantassins! Allez, débarrassez-vous de cette racaille! Voilà! Deuxième vague! Putain, dégage-toi! C'est du gibon! Sont nombreux mais c'est du paysan hein. Oh putain, oulala, oulala, bon je prends cher là, je vais me calmer un peu. Oulala, j'ai un chevalier derrière moi. À moi, camarade! Le chevalier m'attaque! Ah, Hiro, 26 ans et toutes tes dents! Bon anniversaire, mec! Oulala. Oh la petite flèche dans le dos là qu'on lui a mis. On est en train de les croquer hein. Les pertes qu'on leur fait, c'est indécent hein.
génial. Bon, je crois qu'on a fait le ménage là. Il y a peut-être une autre vague qui va arriver. Hein. Pas mal, hein. Wouh. Gagné, les gars. Oh là là, les pertes, on a eu 3 tués. Oh, ils étaient 127. Sir Rafar, Jafar, on l'a eu. Ils étaient 127, 107 tués. Oh là là, on les a éclatés. Allez, deuxième vague. Les 6, ok, sont 6. Allez, chargez. Chargez la racaille. En avant. Regardez la troupe. Cheval. Regardez. Eh, on n'est pas giga classe là? Un. Aucune perte, logique. Ah, vous êtes arrivé juste à temps, Galpinus Rex. Bah oui, mais bon, on est là pour... voilà. Ah, Jafar a réussi à s'échapper, malheureusement. Oh, regardez les prisonniers. Oh, et regardez tout ce qu'on a libéré. Troupier vétéran. Moi, ce qui m'intéresse... C'est les lanciers, recrutés. Voilà, les lanciers. Oh, un Saranide! Regardez-le, un Mamelouk Saranide! Recruté. Ça, ça va être une bonne garde Saranide. Ouais, moi je suis plus enclin à récupérer la cavalerie que. Et on a capturé beaucoup de monde aussi. Hein. Oh là 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 là, infanterie, tireur d'élite. Magnifique, regardez ça, c'est cadeau. Voilà! Oh, le loot! Le loot! Tu peux modifier la taille des vagues. Je crois que je suis au maximum, là, déjà. Parlons du loot. Plus 23,6. Oh, il y a des belles épées, là. Les arbalètes. J'ai déjà un très, très beau casque. Là, il y a des casques à 30. Oh là 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 là. Ouh, il y a des belles flèches. Flèches réformées, moins 2 aux dégâts. Ok. Oh là, le loot, je suis déjà ric-rac. Il y a trop de loot. Une belle victoire, hein. Une belle et grande victoire. Attendez, il y a une autre bataille. Contre les 42, chargez l'ennemi, on y retourne. Restez avec moi. Suivez-moi. Voilà, la plaine est parfaite ici. Voilà, allez, 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 suivez-moi. Vous mêlez pas aux autres racailles, là. Ils sont là-bas. Voilà, suivez-moi. Eh, ça fait une belle troupe de choc, hein. On va les flanquer. Voilà. Dégagez, laisse-moi... Eh oh, tu me... Allez, en ligne, en ligne, en ligne, en ligne. Voilà, c'est parti, allez. On traverse. Allez, on traverse, on traverse, on traverse, on traverse, on traverse. Et on charge. Let's go. Allez, on les écrase. Ça va être fini. Ça va être fini en un claquement de doigts.
Voilà. Regardez les pertes qu'on leur fait. On a assuré. Archer monté vétéran Kerr guide. Oh, un de mes mecs peut-être qui a été tué. Oh là. Quel est le salopard qui ose. La cavalerie. Regardez. Chopez-les par l'enfer. Ils sont balèzes là les chevaliers. Ils encaissent hein. Ah, la cavalerie est incroyable, hein. Je voulais la jouer RP en tant que mongol, mais là, les cavaleries d'archers lanciers avec des chevaliers soient bien, là, ça marche bien. Mes petits lanciers Kerr-Guit, là, ils déménagent, hein. On a une armée très multiculturelle, on va pas se le cacher, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Il y a encore des vagues qui arrivent. Voilà, on a gagné. On les a écrasés. Est-ce qu'on a pris une perte? Je pense pas. Deux tués quand même. Deux tués, malheureusement. Mais ils étaient 42. Pas mal. Good to see you there. Galpinus Rex, content de vous voir ici. Quelle belle bagarre. Rien n'égale le bonheur qu'on procure une victoire, pas vrai? C'est pas mal. Ah, le Sir Regas a réussi à s'enfuir. Je suis libre grâce à vous, mon ami. On a libéré le émir Amdar. Vous êtes libre d'aller où bon vous en, monsieur, jusqu'à la prochaine guerre. On s'est pas battu, toi et moi, là, la guerre précédente. Oh là là, regardez. Garde de caravane, cavalier Saranide. On va recruter les cavaliers. On va recruter la cavalerie Saranide. Quoique, éventuellement, le garde Saranide, là, il a de la gueule. Oh, j'ai malheureusement trop de prisonniers. Et vu que. Ouais, troupier, on a 50 bonhommes. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Pas beaucoup de loot, malheureusement. Voilà. Les batailles sont finies, je pense. Ouais. Des grandes victoires. Moi, je propose que on aille améliorer en cavalier Kerr-Guit. On va aller voir ce qui doit être amélioré. Voilà. Homme d'armes soidien. Allez, un nouveau chevalier soidien. On a 7 chevaliers soidiens. Est-ce que vous pensez que il est encore à Nara, le rançonneur? Le rançonneur des glas. Je suis le rançonneur des glas. Le type qu'on voit mais qu'on ne regarde pas. Je crois qu'il était à Nara. Hein. Il était à la taverne. Ouais, c'était lui. Rançonneur. Hé, hey, camarade, regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas m'adorer. Oh là là. Oh là là. Les milices soidiennes. Voilà. Les tireurs d'élite. Voilà. Voilà. Allez, 10 000 de thunes. On va faire un petit repos. On va aller vendre le loot. On va se rendre à la place du marché. Oh, il a plus d'argent. On lui a tout pris. On les a saignés au niveau thune. Ah, lui, il a de l'argent. Regardez. Alors, attendez. Est-ce que d'abord, dans le groupe, là, j'ai quelques beaux équipements. Jérémus. Oh, Jérémus qui est encore blessé, le pauvre. Qu'est-ce qu'il ramasse, le pauvre Jérémus? Qu'est-ce qu'il ramasse? Ah, j'ai dedans mes 36. J'ai des équipements, mais ils sont bien équipés, mais... Mes bonhommes, hein. De rien, ils sont bien équipés, hein. Bon, on va vendre, hein. Tant pis. Firmé. Nara. Se rendre à la place du marché, faire le marchand de biens. On va vendre... Ah, le poulet, ouais, le poulet pourri, hein. On va vendre tout ça. Les épices, hop, voilà, j'ai encore un peu d'argent. Il a encore un peu de sous. Allez, on vend tout ça. Les équipements, ça vaut plus rien tellement... La viande séchée, ça, on peut la garder. Voilà. Parfait.
On va se reposer un petit peu. On se repose un petit peu, tranquille. Il faut qu'on reprenne un peu de vie là parce que c'est compliqué. Au niveau du groupe, au niveau du groupe, on est pas mal. Allez, let's go. On va retourner en campagne. Par contre, je voudrais bien me débarrasser du noble. Là, comment je fais pour me débarrasser de l'autre, là? Parler. J'ai aucune option. Une idée de comment ça fonctionne pour me débarrasser du noble? C'est pas qu'il m'emmerde, mais il m'emmerde, vous voyez? Bon, on va retourner à Arduna. Et on va essayer d'aller provoquer des batailles. Regardez, regardez, c'est qui ça? Ouzama, non, non, ça c'est des copains. Ouh là là! Ok, ça c'est l'armée du Khan. Mais elle va pas dans la bonne direction. On va les suivre. On va suivre l'armée de Ougou Noyan. Peut-être qu'il va tomber sur un ennemi. Je suis plus rapide que lui, hein. Vous avez vu? Grâce à mes compagnons. Maintenant, je suis plus rapide que lui, hein. Ah, il a son château qui est ici. Il a son château qui est ici. Écoute, tu fais le kéké. Tant mieux pour toi. Moi, je vais poursuivre. Et on va aller voir s'il n'y a pas des ennemis ici. Retourne à ton château de Pouilleux, là. Vaigar, Khan, Kaga. Ah, la trêve avec les Vaigir vient d'expirer. La nôtre. On va aller piller le village, hein. Ça me fait chier de piller les villages, mais si on en est réduit à ça, on va profiter de la nuit. Hop là, entreprendre une action hostile, piller le village, piller, raser le. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Faut attendre la demande de rançon pour les nobles. Ok, ça prend beaucoup de temps. Ouh là là, allez, on brûle. Voilà, ah, ça, non, ça, c'est mon budget qui tombe. Voilà, allez, oh regardez, qu'est-ce que c'est rentable! C'est indécent! De l'huile, du sel, du lin. Encore plus de bouffe. Bon, ça, les fruits là, on s'en fout un peu, le porc aussi. Le bœuf, non, mais des saucisses. Des saucisses pour le moral. Des poteries, allez, ça va se vendre. Voilà, allez hop. Allez, on se barre. Le bétail, on touche pas, on va leur laisser. On n'est pas des bêtes non plus. À la base, j'étais venu en espérant tomber sur une armée ennemie. Mais il n'a pas l'air décidé à défendre ses terres. Oh, regardez, les Saranides se sont emparés du château de Rendir. Ils prennent cher, là, les... Oh, ils sont quand même énormes. Ah ouais, ils sont balèzes, j'avais pas vu. Ils défendent pas leur terre, hein. Ils défendent pas leur terre. C'est décevant, hein. Après, on fait de l'argent, hein. Je veux dire, Améré, on va le piller, hein. On va remplir les caisses, hein. Où est ton fief? On va aller voir mon fief. Allez, hop. S'ils défendent pas leur terre, moi je vais remplir les caisses. Hein. Je vais remplir les caisses en. Attendez! Oh, le moment de solitude! Moment d'extrême solitude. Je me casse d'ici. Je me casse d'ici. Oh, attendez. Non. Alors, est-ce que c'était l'armée des... C'était vraiment l'armée des... De Swadia, hein. J'ai eu de la chance, hein. Par contre, par où elle allait? Parce que ça prenait la direction de mon fief. Mon fief d'Amashke.
Ou alors ils allaient peut-être là-bas. Non, ils sont ici, je crois. L'armée de Swadia est ici. Après, c'est le château du Lume, on s'en bat un peu les couilles, hein. C'est le château des Saranides. Et les Saranides. Est-ce qu'on irait pas vendre? Hein, on pourrait profiter de ce temps pour aller vendre, d'accord? Ils étaient orange, hein, je pense bien, hein. J'ai eu de la chance, hein. Parce qu'il me serait tombé dessus, je me serais fait viander. Visiter la place du marché. Ouais, il y a de l'argent. Enfin, pas beaucoup, hein. Voilà. Allez, on vend tout ça là, c'est bon. La teinture. On est en train d'inonder le marché de bien piller. J'ai presque honte, hein. Presque, hein. Voilà. C'est gratuit. C'est les soignants qui payent. Et on va retourner voir s'il n'y a pas une opportunité pour faire une bataille là-haut. Hein. Ah, ouais, c'est vrai qu'on pourrait commencer à aller voir pour mon fief. Parce que là, au niveau thune, cette guerre me rapporte une fortune. Hein. 14 000 d'argent. On va aller faire un tour à Abashké. Oula. T'es qui toi? Ok. Mon petit fief d'Abashké. Et peut-être commencer à booster mes revenus et compagnie. Recruter des volontaires? Ah non, personne ne veut rejoindre. C'est un transport pauvre et misérable. Oh là là, gérer ce village. Ok! Construire un domaine, pas de vous reposer au village, de vous réorienter des soldes de vos troupes. Ah, ça c'est intéressant. 8 000 deniers! Oublié. Construire un moulin. 6 000. Ok, le moulin pourrait être intéressant. Une tour de guet. Et augmenter. Ok. Non. Une école. 9 000. Construire un poste de messager. La construction. Écoutez, on va leur construire un moulin. Ok, j'investis. 63 jours, voilà. Je construis un moulin. Ça me coûte cher, hein, le moulin. N'y pense même pas, le bandit, là. Attends, c'est une blague. C'est une blague! Attrapons ces chiens! Non mais attends. Avez-vous d'autres hors la loi dans le passage? Oui, ils sont allés dans cette direction, il n'y a pas vraiment d'un. Attends, mais c'est. Ah non, mais c'est des chasseurs de primes, j'ai des bêtises. C'est des chasseurs de primes, ok. Bon. On va retourner là-haut. Ouh là là, attendez, attendez, attendez. Ah non. Ok, Vegir. Ils se foutent sur la gueule, c'est pas notre problème. Ils sont en guerre les uns contre les autres là. Les Vegir, les Vaegir. Ah non, mais je suis pas en guerre avec les Saranides. Hein. Les Vaegir et les Saranides sont en guerre les uns contre. On va aller voir si le siège est fini là-haut. Ouh, Swadia, attendez, 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 attendez. Ça, c'est du orange. Il y a un coup à jouer là. Revenez! Revenez, bande de petits salopards! Par contre, attention si leurs potes sont là. Attends, mais ils ont pris le. Ils sont combien dans le château là? Ah non, non, malheureusement. S'ils n'avaient pas été là, ça aurait été jouable. Non, il y a no better. Ok. Ils sont un petit peu nombreux, mal. Y a le comte Jafar qui est là! Créer mon royaume, mais je ne sais même pas comment on fait tout ça. Moi, je veux juste casser des bouches pour le moment et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Premier run, hein. Moi, je suis jamais allé plus loin que ça. Hein. Faut pas me demander de. Je ne connais pas le jeu. Hein. Là, je peux pas le prendre d'assaut, ils sont trop nombreux. Non, non! J'ai cru qu'il allait me faire attaquer. Putain, je suis seul là. Bon, écoutez, on. Eh. Ça, c'est. Voilà, on va aller piller ça. Hein. C'était aux Saranides avant. C'est de bonne guerre.
C'est une bonne guerre, c'était aux Saranides avant. Voilà, allez hop. Ouh là là. Ouh là là, attendez. Peut-être qu'avec moi, on peut y aller. Allez hop. Ouh, allez, on re... Oh là 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 là, on se régale au niveau thune. On capture tout ça, les pots, les dattes. On a de la... y a des porcelets et tout, mais c'est... On a trop de ressources. Alors, est-ce que vous serez pas prêt à la bataille, là? Hein? Hé, hey, camarade, ne te dégonfle pas, on est sur... Oh, il se dégonfle. On aurait pu y aller à 80, là! Quelle bande de lâches! Bon, je vais aller à Nara vendre mes équipements. Faut lui demander, ah bon? Pas sûr qu'il accepte, hein. Alors, grande place du marché. Oh, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais, on lui a déjà tout pris au niveau argent. On lui a déjà tout pris au niveau argent. Moi, je propose d'aller faire un tour à Tulga. Ça faisait longtemps. Voilà. Ah, Tulga, il y a de l'argent. On va vider. On va inonder de marchandises tout ça. Tant pis si c'est pas rentable. Zut. Hop, 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 voilà. Et là, on va lui vendre les dattes, le lin. 1300, voilà. Hop, hop. Le miel, je vais le garder. La soie, on dégage. L'huile, on dégage. Oh, l'huile, ça vaut cher. Ah ouais, non, mais j'ai trop, là. C'est tellement... 540 de thunes. Voilà, allez, hop. Quoi, t'as quel point, c'est rentable, de pied. C'est OP as fuck. Voir le mail des guildes, pourquoi faire? Pourquoi je vais aller faire des missions de merde? Des missions de merde? De buter trois bandits alors que je peux aller piller et faire la guerre? Quel est l'intérêt? Je demande. Quel est l'intérêt d'aller de me faire chier avec des missions de merde? Se rendre à la place du marché. Hop. J'arrive même pas à vendre le fruit de mon pillage. Regardez, j'ai trop. Il y a juste trop. Oh, il y a beaucoup d'argent ici. On va vendre les dattes, on va vendre l'huile, on va vendre la poterie. Bon, je crois que je suis bon au niveau bouffe. Ouais. On va garder le miel. Voilà. 80 dans des entreprises. Ouais, bah ça va attendre. Des thunes, j'en ai déjà plein. Et je peux en trouver plus. On va retourner pied et faire la guerre. Jusqu'à la trêve. Parce que quand il y aura la trêve... Quand j'aurai... Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que c'était moi, mais c'est bon. Il faut que je profite qu'il y ait la guerre, tu vois. Tant qu'il y a la guerre, je fais des thunes. Quand il n'y aura plus la guerre, on commencera à développer et à acheter de l'entreprise. Pour l'instant, autant piller et faire de l'argent. Je pense que c'est un choix qui se défend. It's just good business, tu vois. Comme la session dernière, il n'y avait plus de guerre, j'étais un peu dans la merde. Là, on va aller chercher le combat. Assiégé. Attendez, il y a une bataille en cours, là? Bataille? Il y a une énorme bataille en cours. Approchez le camp de siège. Rejoignez le prochain assaut. Wow. Comment on fait pour... Il y a... Les PGM, là... Comment on fait pour que ça avance la tour? Une idée? Une idée de comment ça fonctionne? Ça se fait tout seul, bah ça avance pas pourtant. Ah si, ça avance ça! Oh, il y a du monde sur les murs!
mon gars, je vais t'avoir. Loupé. On l'a eu. On l'a eu, tire-tête. Oh putain. On l'a eu. Oula. Là je vais pas y aller tout de suite. Je vais laisser les troupes de choc y aller. GLB 23 mois, merci mec. Oh. Oh le bâtard. Oh loupé, il a baissé la tête. On l'a eu. Allez, les troupes montent à l'attaque! En avant la racaille! Bon, on a fait du kill là! Sacré assaut, hein! Incroyable! Allez, on se régale! Ils sont trop nombreux à bloquer le chemin là. Allez, poussez-vous! C'est bon, ça avance, ça avance, ça avance. Oh, regardez la quantité de flèches! Regarde s'il n'y a pas des flèches à récupérer. J'ai vraiment besoin de flèches. Oh merde, on voit rien, on voit rien. Là-bas. En avant. Allez, on les croque. On est nombreux, hein. On est nombreux, hein. Coupé. Oh, une nouvelle vague. Chevalier de merde là. On l'a eu. Oh là là, la bagarre. On prend cher là. Ils sont nombreux hein. Et c'est pas de la merde en troupe. Allez, ça tombe. J'ai plus de flèches. Il faut des flèches. Où est-ce que tu fais des flèches? PQ simple, y'a pas de flèches ici. On a tellement tiré tout à l'heure. Là, c'est pas des flèches, non, c'est des putains de carreaux d'arbalète. Ok, les renforts arrivent. Bon bah on va devoir y aller au sabre. Hein. T'as tué un allié, bah c'est pas grave, ça arrive. Shit happens, mec. Oh, regardez la boucherie. Bon, attention, je suis pas un épéiste.
Oh putain, là je me suis loupé. Allez. On les a eu. Je crois que c'est bon. Wouh. Flèche. Ah bah là il y avait des flèches justement. Victoire. 6 tués, 5 tués, c'est acceptable. Oh non, 3 chevaliers soi-disant tués. Non, c'est terrible. Et on s'est cap... on s'est emparé d'un château. Bon, j'ai perdu des troupes malheureusement. Bon, ça a été pillé. Ils sont combien dans le château là? Non, ils sont 156. Ok, je me barre. C'était pour rire. Tirailleurs. Oh là là, mes chevaliers soi-disant. Hein. Quelle déception. Hein. C'était ceux que je voulais pas qu'ils meurent. Et ils sont morts. Ah non, ça c'est maintenant c'est aux alliés. Eh non, mais regardez comment on les a nettoyés. Cette invasion en bonne et due forme. Impressionnant. Il y a des terres qui sont tombées, des villages conquis. L'extension de la horde. Bon, il y a quelques merdes saranides là qui traînent, mais ça, on pourra s'en débarrasser à l'occasion. Hein. On va aller à Almar se reposer. Bon, non, je peux camper en race campagne. Voilà. Bon, de l'argent, on en a. On peut payer les salaires largement. Après qu'on a dû perdre, hein, à essayer de remettre... Oh, c'est Touloug noyant qui reprend tous les bons fiefs, là. Oh, ça, c'est bon. Allez, je vais... Non, mais j'ai... Écoute, moi, je fais la guerre. J'ai autre chose à faire qu'aller voir les réunions des autres, là. Allez. Vraiment... Ouais, Nizar est pas encore rétabli. On va attendre un petit peu. Tiens donc. Ça, c'est un pote. Tansuga et Noyan. Oh là là, on les a net... Oh non, mais regardez, même Burglen là-bas est tombé. C'est dingue. Le nettoyage qu'ils ont pris. Faut faire de la lèche. Ouais, ok, ça va. On va aller à... On va aller voir si j'ai le temps de rentrer à Tulga. Voilà, on va aller à Tulga, on va aller faire de la lèche en espérant que j'ai le temps, que leur banquet sera encore en cours. Ah. Faut que j'aille recruter de toute façon en plus, donc voilà. Le banquet est fini, je suis arrivé trop tard. Et je crois que j'ai tout vendu. Et au niveau des arcs, ouais, malheureusement j'ai pas le niveau encore, il va falloir que j'améliore ma tension. Attendez, on va pouvoir les recruter un peu. On va aller recruter quelques bonhommes. C'est vrai que là, j'ai eu des pertes, malheureusement. Tiens donc. Alors, non, personne. T'as regardé la quantité de... Vous avez vu ça, la quantité de racailles? Attendez, je suis plus rapide qu'eux, maintenant. Est-ce que je les rattrape? Hey! Je les rattrape ou pas? Avec mes stats, je les rattrape! Viens là! Ah, le bâtard, il me largue de nuit, j'ai l'impression. Ouais, il y avait un repère, ouais. Regardez, de jour, je... J'ai l'impression que je le rattrape, hein. Je le rattrape! Charger l'ennemi, voilà, on va faire un peu d'XP facile. Restez avec moi, c'est ta racaille. Restez avec moi, laissez-les venir. L'époque où ils me terrorisaient est révolue. Chargez. Oh.
Allez, oh là, ce qu'on lui a mis à son cheval de merde, là. Dégage, je me touche pas. Allez, ça fuit, regardez, ils sont en panique. Hein. Voilà, oh putain, ce qu'ils ramassent. Déjà, ils étaient 28 hein. On les a éclatés. Quand je pense que j'avais peur de ces gens-là, un blessé, Nizar. Ouais, forcément. Chargez l'ennemi, allez, allez, finissez-moi ça. Allez, chargez-moi ça. Chargez-les. J'adore. Le jour où je commencerai un gameplay infanterie, ça va me faire drôle de plus jouer à cheval comme ça. Oh, je suis, regardez mes yeux de vipère. L'œil sournois, très aux aguets. Voilà. Et en plus, on a capturé des mecs. Voilà. Ça prend de la... Oh, et le loot. Le loot, on prend tout. Voilà, ça, c'est vraiment de la merde, mais ça va se vendre. Voilà. Ça va se vendre. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelques mecs à lever ici? Vous voulez rejoindre mon armée? On paye bien, et à l'heure. On va aller faire un tour avec Chamur en vitesse. Là, je vais marcher... On va vendre toute cette merde. Ouais, c'est vraiment de la... C'est vraiment de la daube. Hein. Voilà. Allez, hop. Parfait. Un petit repos. Merde, j'aurais pu aller voir en vitesse à la taverne. S'il n'y avait pas le rançonneur. Ok, il est pas là au moins, on est sûr. Ni à l'étage. Ok. Allez hop. Quittez. Mettons les voiles d'ici. Tant pis pour les prisonniers. On va s'arrêter à Zagouche et à Tâche pour éventuellement trouver peut-être des volontaires pour se battre à mes côtés. Faut toujours qu'on recrute de la nouvelle viande. Pour continuer à améliorer les mecs. Ouh, regardez là, les tirailleurs Kergit. Voilà. On va aller à Zagouche. Recruter des volontaires, voilà. Parfait. Et on va aller à Tashkulun. Alors, pas besoin... Et je propose qu'on relance une nouvelle campagne. Regardez comment on les a mangés! C'est terrible ce qu'ils ont pris! On va aller faire un tour vers le château là-bas. On trouvera peut-être des... Oh, ah, attends, Tsuga et Noyan, regardez, on a trouvé... Oulala, mais attendez, hop, 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 hop! Ils viennent de reprendre le château là, de Tilbud! Hop, 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 revenez là, camarade. Reviens là, toi. Reviens là. Je suis plus rapide que toi. Je suis plus rapide que lui, hein, je pense. Hein. Oh, les Saranides et Swadia ont fait la paix. Oh non, les Kernites et les Saranides. Attendez, mais quoi? Ah non, c'est la, ça c'est la trêve entre nous et les Saranides qui a expiré. Ok. Je l'ai attrapé. We meet again. Je ne sais même pas de qui t'es... Oh, regardez, on dirait Galpin. D'ailleurs, Galpin sera là ce soir pour faire du cards. On dirait Galpin! Nous nous rencontrons au Caire. Écoute, vous avez pillé mon village en détruisant ce qui m'appartient en tuant un fermier. Écoute, j'ai besoin d'argent pour mon fief. Rendez-vous ou vous mourrez. Petit insolent, je vais vous écraser. Chargez l'ennemi. 53 à 15. J'ai presque honte. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi.
Suivez-moi. Bon, on va montrer à cette racaille comment on se bat avec ces 15 gogoles là. Oh, ils sont là-bas. Allez, chargez-les! Chargez-les! On appelle ça une armée. Ah, ça c'est le Mamelouk. Voilà. Ils avaient peut-être des prisonniers. Hein. Ah, ils étaient vraiment pas bons. Hein. Aucune perte. Il a réussi à s'échapper. Ouh, il avait un lancier Kergit, ça m'intéresse. Regardez, il avait des cavaliers Kergit, ça c'est cool. Ah merde, j'ai trop de troupes déjà. Zut. Bon bah tant pis. Par contre j'ai capturé quelques-unes de ces racailles. On a pris des niveaux. Lancier Kergit. Homme du clan Kergit. Voilà. Ça c'est mes genoux qui ont pris du graton. Et on va récupérer un tablier, fauchard. Hop, du loot. Voilà. Parfait. Le royaume vous propose une... Oh regardez! Ça y est, la rançon est arrivée! Le royaume de Swadia vous propose une somme de 1100 deniers si vous êtes disposé à lui vendre le compte chevalier. Mais absolument, j'accepte l'offre. Rentre chez toi, camarade, on t'a bien traité. Des soldats sont prêts à être promus. Ah ouais, homme du clan Kergit. Voilà. Parfait. On va retourner près du château de... Eh, peut-être que la garnison du château de Tilbo est très légère. Il y a un monde où ça, on peut s'en emparer. Fantassins swadiens, milices swadiennes, il y a beaucoup de tireurs. Ils sont quand même autant que moi, plus la défense. Ça passera pas malheureusement. Faudrait les faire sortir. Si je les affrontais en race campagne, je les exploserais. Mais avec le château, je perds mon avantage de mon armée mobile et de cavalerie. Donc on va aller piller ta de sa mèche là. Peut-être que ça les fera sortir. Putain, c'est long. Voilà. Hop là. Oh, regardez. Cette guerre est incroyablement rentable, je ne vous le cache pas. Cette guerre est un petit régal, hein. Les saucisses et tout, voilà, le chou. On va leur laisser le chou et les fruits et un peu de viande. On va prendre la viande séchée dans le doute quand même. Voilà. Après, faut le tenir, c'est vrai. Les vaches, on leur laisse. Ah, ils veulent pas sortir. Ils veulent pas sortir. Écoutez. Eh, Dirim a été capturé. Ça pourrait devenir une très bonne ville. Oula, j'ai une très grosse armée qui est passée là. On pourrait vendre à Dirim, vu que c'est à mon pote maintenant. Putain, la ville a été prise et tout. Ils ont nettoyé. Hein. Ça fait un bon avant-poste, ça. Place du marché. On va aller voir ce que ça donne en ce moment dans le coin. Oh, ils ont de l'argent en plus. Fantastique. Non, j'ai trop mis. 1285, voilà. Allez, on vend. L'argent que je me fais grâce au pillage, c'est indécent. Hein. J'ai presque honte, hein. Presque. C'est bon, la honte. Allez, on va vendre Là, j'ai presque trop de... Eh, ils sont quand même bien nourris chez moi, hein. Ils sont bien nourris, hein, entre les saucisses, la viande, bon, les olives, ça prend un peu de place. Le beurre, on dégage. Ça va. Chez moi, on mange bien, hein, dans mon armée, hein. Achat de nouveaux gants. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait dépenser un peu d'argent. J'ai 20 000 de thunes. On va aller voir pour l'arc aussi. Mon arc pue la merde, mais les arcs coûtent vachement cher. Et j'ai pas assez de tension encore. Il faut que j'améliore ma... voilà.
Armure. Regardez le petit gantelet à 2100 là. Ou alors là, il y a un gantelet à plus 5. Et il coûte moins cher. Ah non, plus 7 à la protection du torse. Voilà, plus 7. Écoutez, on va investir un petit peu. Oh, plus 51. On va s'équiper un petit peu. Allez, on va acheter les gants. Plus 7. Voilà. Le casque Saranide. J'aime bien mon casque Saranide à 45 pour le moment. Hein. Même si lui serait tentant. Au niveau des bottines, j'ai un beau plus 27. 28, ouais, ouais, j'ai des belles bottes déjà. C'est pas mal. Voilà. On a investi. Est-ce que dans la taverne, il n'y aurait pas un rançonneur? C'est pas le rançonneur, lui? Voyageur, non. Ok. Bah, parfait. On va se reposer une nuit. Voilà. On va attendre un petit peu. C'est une magnifique base d'opération ici. Hein. Une magnifique base d'opération. Où en est mon groupe? Mon groupe est prêt au combat. Et on a même des améliorés en tirailleurs Kergit. Voilà. Tant pis pour les prisonniers que j'ai pas pu vendre. Mais on va aller voir du château, du côté du château de Derkios. S'il n'y a pas des choses à... Voilà. Ah, on peut demander aux voyageurs où sont les rançonneurs. C'est une bonne... Ah, ça c'est bien ça. Ouh là là, non, non, il y a 156, on oublie. On oublie. On va aller voir le château de Senuxa. Ouh, pop, 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 pop. Bataille. Ah non, les Vaïgir contre les Saranides, cette bataille ne me concerne pas. Ils sont combien ici? Oh, 168, mais c'est quoi ces espèces de garnisons de zinzin? On va repartir vers le nord, là-haut. Le château de Tilbot. On va bien finir par retomber sur des armées qui traînent dans le coin. En tout cas, cette guerre aura été incroyablement prolifique. Hein. 17 000 deniers. On a rempli les caisses au niveau bouffe. On est tranquille pour longtemps avec toute la bouffe qu'on a. On a même du miel, du beurre, enfin on avait du miel, j'ai vendu miel. Ouais, non, mais faut arrêter avec le miel aussi, les mecs, du miel. On va aller voir ce qu'il y a dans le château de Timbo. Ouais, j'ai pas une armée d'attaque de château, hein, malheureusement. Putain, ça se tente presque, hein, ils sont 48, hein. 48. Ah, il y a 12 fantassins soidiens, il y a du tireur d'élite, il y a du homme d'armes. Mais j'ai peur que de perdre mon armée. J'ai peur de perdre mon armée bêtement. Sur ça, que ça va me coûter plus cher que ce que ça va rapporter en fait. J'ai beaucoup investi dans la qualité de mes troupes. Oh là, Tensuga Inuyan qui récupère tous les bons trucs. Hein. Ah, des soldats ont été promus. Hein. Ah, c'est mes tirailleurs Kergit, on continue de les améliorer. On va aller vers le nord, là-bas. Il fait jour. Tiens donc. Une caravane des Royaumes du Nord. Royaumes du Nord que je connais pas. Ou très très peu. On va pas aller... Un camp d'entraînement. Est-ce qu'on... J'ai jamais utilisé les camps d'entraînement. Vas-y, mais ça va... Ah non, non. Allez, pas de ça. J'ai pas save une seule fois pour le beau jeu. Epep, regardez. Oh. 85. Vous savez quoi? Moi, j'y vais. Hein. Vous voulez une bagarre? On va en avoir une! J'ai entendu dire que vous aviez vaincu Sir Rochabars. Et depuis ce jour, je suis impatient de pouvoir croiser le fer avec vous. La chance n'est pas de votre côté aujourd'hui. Vous pouvez nous combattre. Blablabla, nous vous battrons jusqu'à la mort. Allez. 54 contre 83. Venez, suivez-moi. Voilà, on va utiliser le terrain qui est ici. Magnifique. Voilà, on va les accueillir ici. Avec moi. Avec moi, voilà.
Chopez-le, lui. Allez, chargez. Occupez-vous de ces putains de chevaliers. Oh, le bâtard. C'est que des fantassins de merde. Oh putain. Par contre, ils font mal. Il faut que je laisse ma cavalerie venir faire le ménage. Oh là là, il... Aïe, aïe, je suis pas dans ton sens. Ah, le bâtard. Voilà. Ok, ça y est, notre cavalerie est en train de décimer. Oula. Oula, oula, oula. Fallait, c'était juste le temps que j'arrive au cac. Lâche-moi, toi. Lâche-le. On leur a roulé dessus. Ce sont des gitans, mais complètement. Ils ont des armées nombreuses, mais c'est du chica clodo. Moi, j'ai vraiment une belle armée, hein. C'est Kali, hein. Allez, on les a éclatés. Oh là 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 là, je prends trop la confiance, hein. On a perdu... Eh, excusez-moi. Vous avez vu les pertes qu'on a pris? Est-ce que vous avez vu les pertes qu'on a pris? C'est pas une question de prendre la confiance. C'est que je les écrase. C'est des giga clodo. Allez, le cirque Largus s'est enfui. Alors, on va aller récupérer l'élite, hein. Tireur d'élite soidien. Voilà. Sergent soidien. Homme d'armes. Voilà. Voilà. Parfait. Les bandits des steppes, je vais vous libérer. Je vous libère, les bandits des steppes. Vous avez de la chance. Parce qu'on veut récupérer les fantassins soidiens. Voilà. Arbalétrier, chevalier soidien. Ça, ça vaut cher. Voilà. Le loot. Le loot. Ouh, il y a des belles petites armures quand même. 38 plus 8. Ça, ça peut peut-être aller sur un de mes compagnons. Bon, il y avait du clodo en face, hein. Voilà. Des soldats sont prêts à être promus. Vous avez atteint le niveau 14. Oh, regardez là, la promotion qu'on va se faire. Chevalier Kergit, amélioré en lancier Kergit. Voilà. Fantassin soidien. Tirailleur Kergit. En cavalier Kergit. Oh, on se régale, hein. On se régale. Nizar qui a pris des grades, moi aussi, personnage. Alors, je voudrais bien mettre des points dans tension. La tension, c'est la force, force trop faible, c'est ça. Ah ouais, je suis beaucoup trop faible. Malheureusement, on va devoir attendre avant de pouvoir mettre des nouveaux arcs. Confirmé. Et en attendant, maître d'armes, non. Persuasion, non. Tant pis, on va attendre. Et Nizar. Groupe. Nizar qui a pris des grades. Parle-moi de tes compétences, Nizar. Nizar qui est un sacré épéiste. On va lui mettre de la force. Pour qu'il continue à éclater tout le monde. Et puissance de frappe, puissance de jet, puissance de tension, non. Repérage, Nizar, qui a un excellent... La vitesse de champ de vision est augmentée de 10%. Voilà. Hop là. Et Nizar, ton équipement, camarade. 41,6. Il est putain, mais attends, il est presque mieux équipé que moi, le machin, là. Ok. Ne prêtez pas attention. Les alites. Les alites, montre-moi ton équipement. Je crois pas que t'aies une aussi belle veste. 39,11. Eh bah si. Incroyable. Et Jérémus? Putain, mais mes mecs, ils sont superbement équipés. Jérémus, 35,5. Ah, c'est... Ah non, c'est quasiment la même chose. Tiens, voilà. Parfait. Et au niveau épée, 27, ouais, 12, ouais, c'est bon. 27, 22, ah. Voilà.
Voilà! On les a écrasés. Par contre, je vais pas trop traîner dans le coin. Le camp d'entraînement, en quoi ça consiste? C'est un truc neutre où je peux entraîner de la troupe? Parler avec le mentor. Salut camarade! Vous ressemblez à un autre aventurier, Pétrin. J'ai un combattant ici. Oui, j'ai quelqu'un. Ouais, c'est bon. On va pas passer à la pratique. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je gagne déjà des batailles haut la main. Voilà. Je vais retourner à Dirim, vendre le loot. Ouh là là, attendez, attendez, attendez. Oh, il l'a chopé! On va pas venir l'aider. On va pas venir l'aider, j'ai déjà plein de prisonniers, plein de loot. Voilà. Bah, Caucasien en tenue du canard, bah, c'est en même temps, désolé, mais. Le mec, il s'intègre, quoi. Tu te plains de l'intégration de Jérémus? Il a même appris la langue, figure-toi. Incroyable. Ce racisme passif. Je crois en Seine-Saint-Denis. Terrifiant. Entrer dans l'arène, non. Visiter la taverne, peut-être que. Alors, je recherche cette terre. Non, non. Je suis à la recherche d'un de mes compagnons. C'est le rançonneur, peut-être? Qui recherchez-vous? N'y prêtez pas attention. Non. Non, ok, d'accord. Je croyais que. Non. Ah, à l'étage, peut-être? Est-ce que c'est pas le rançonneur, lui? Ménestrel, non. Voilà, pas de bol, le rançonneur est pas là. Tant pis. Écoute, il s'habille confortablement pour être à cheval toute la journée, pour pas avoir mal au cul. Visiter, se rendre à la place du marché. Ouais, mais le. Je lui ai tout pris. Ah non, là il a plein de thunes. Super. Allez hop. Allez, on vend tout ça. C'est du giga clodo, mais ça marche bien. Une petite nuit de repos. On va continuer à péter la gueule de leur armée. Hein. Patrouille ennemie apparaît près de Ushuku. Ushuku. Ah, attendez, ça c'est pas loin. Quitter. Ushuku. Tiens, 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 regardez qui on a là. Allez, viens te battre. C'est Rafar. Comment on se retrouve? Lorsque nous nous sommes vus pour la dernière fois, vous m'avez surpassé. Le terme humilié serait plus adapté. Mais je vous garantis que cela n'arrivera plus. Écoute, nous nous battrons jusqu'à la mort. Chargez l'ennemi. Il y a des gens, ils apprennent pas. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Voilà. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Voilà, laissez-les venir dans la plaine. N'allez pas en ville. Vous êtes pas fait pour le combat comme ça. Laissez-les venir, voilà. Faites croire que vous vous repliez. Voilà, laissez-les venir, laissez-les venir. Ils arrivent. Voilà. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Laissez-les venir encore un peu plus loin. Encore un peu. Allez, chargez maintenant. À l'avant! Chopez! Roulez-leur dessus! Ça c'est un chevalier de merde, chopez-le.
Dégagez! Voilà, magnifique! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est solide ces bêtes-là! Bon, il reste qui à nettoyer? Ah, encore, il y a quelques chevaliers qui restent encore. Ça, c'est les trucs d'élite, mais. Allez, fumez-les! Voilà! Bah voilà! Magnifique! Wouh! Oh là là, 4 tués quand même! Oh, vos pertes 5 lanciers Kerguid, 3 tués, Jérémus blessé. Allez, Rafar qui a encore réussi à s'échapper. Je le viens des pépé! Pour la troisième fois! Culé, bah. J'abandonne, rappelez vos... Oh! Sir Delviane! Delviane prisonnier, vous êtes mon prisonnier à présent. Je suis à votre merci. Ah bah ouais, ça. Et on a libéré Tansuga et Noyan. Ils avaient des prisonniers. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble, monsieur. Merci, noble sire. Je n'oublie pas les personnes qui me rendent un service, j'espère bien. Et on va pouvoir récupérer des cavaliers Kerguid. Ça, c'est une bonne nouvelle. 3 cavaliers, un archer monté, vétéran, excellent. Oh, ils avaient plein d'archers montés vétérans, excellent. Et on a trop de prisonniers maintenant. Regardez, on est à 11 sur 10. Voilà. Bon, on les a bolossés. Hein. On les a bolossés. Ok, ça c'est bon. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut aller faire une petite pause. Hugues, il faut savoir qu'il vous fait que vous rejoignez sa nouvelle campagne militaire. Vous devez amener au minimum Hugues Noyan. Ouais, mais Hugues Noyan, il commence à me péter les couilles. Il est où, Hugues Noyan? Hugues Noyan. Et il était près de Tashkulun. Tashkulun. C'est où Tashkulun? Une idée? Tashkulun. Tashkulun! Écoutez, on va aller à Nara, c'est sur le chemin. On va aller vendre des équipements, voir s'il n'y a pas le rançonneur. Voilà. Taverne. C'est pas lui le rançonneur là? Non. Un rançonneur, yes! J'ai des prisonniers à vous vendre! Regardez! J'ai des petites recrues swadiennes de la milice. Tireur d'élite swadien, 200 troupes d'élite. J'ai des sergents swadiens, hommes d'armes 160, un pot d'infanterie et un chevalier, un magnifique chevalier swadien. Voilà. Allez hop. On va aller vendre l'équipement, le loot. On se régale. Tu fais afficher une carte. Ah, et tu vas direct sinon. Ah, bon à savoir. Je ne savais pas. En fait, je sais pas grand chose dans ce jeu. Bon. Ah, mais j'avais pas de loot. On va faire une nuit de repos. Voilà. Allez, et on va à Tashkulun. Zut. Est-ce qu'il est encore là? Il est plus là, son con. Il était près de Tashkulun. Le rapport date de une journée. Et faire un conduit à Nugoyen le maréchal. Fait chier. Là, c'est bien. Je suis beaucoup plus rapide qu'avant. Ça fait plaisir. Malheureusement, je sais pas où il est, ce con, là. Ça, c'est casse-couille. Hein. Attendez, il est pas là? Armée de Sebula Noyan. C'est pas le bon, putain! Je le connais pas beaucoup, lui. Salut! Je suis Galpinus Rex, vassal et seigneur du château de Malayaburg, ok. Ah, je suis honoré d'avoir combattu à vos côtés. J'ai oublié, désolé. Qui devrait recevoir le chef de Ushkuru? Ouais, voilà, pas assez de politique en ce moment, je dois prendre congé, ok. Bon, il est où l'autre connard, là? Ça m'énerve, ça, les missions de merde qu'on me donne, ou c'est pas clair, ou... Vous me dites Tashkulun, mais il est pas Tashkulun. Moi, je me casse sinon, hein. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter que perdre mon temps à... Allez, je me casse, hein, c'est bon. Il est pas là. Moi, je me tire.
Demande à ce type, ouais, bah j'ai autre chose à foutre. C'est quoi? La quête, c'est Tash Kulun. Il est pas là, Tash Kulun. Moi, je me casse. Fallait me donner un autre rapport plus à jour. Je vais aller me battre. J'ai autre chose à faire qu'obéir à ce Specno. À Khan. D'accord. D'accord, Khan Sanjar qui récupère lui-même les propres fiefs. Kramouk, ok. Commence à se rebeller complètement, hein. Alors, je me rebelle pas contre le Khan, hein. Je me rebelle contre l'autre débile qui me dit qu'il est là et il n'est pas là. Vous noterez que j'y étais quand même, hein. Vous lirez tout dans mon livre. Ah, ils sont que 40 ici, c'est tellement tentant d'y aller. Hep, 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 regardez, 106, ça. Oh, il les a éclatés. C'est l'armée de Khan Sanjar. Attends, 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 reviens là, gamin. Sire Delinar, vous avez pillé mon village, Tatsamèche. Bah écoute, désolé, vous paierez le prix de votre crime. Bah écoute, avec plaisir. Rendez-vous, vous mourrez. Allez, chargez l'ennemi sans carreau. Restez avec moi, restez avec moi. Soyez patient, soyez patient. Soyez patient. Ah ouais, eux, ils y vont direct. Écoutez, laissez-les faire le boulot. Non, non, il n'y en aura plus, pas pour nous, sinon il me faut de l'XP. Allez, à l'attaque, chargez. Chopez-les. Oups, pardon, 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 pardon. Oh là là, hé ! Y a un côté quand même mongol qui est incroyable, hein. Wouh. Eh, ma renommée doit commencer à être balèze parce que j'éclate des armées depuis le début, là. Depuis que cette guerre a débuté, c'est mon heure de gloire. Oh, un cavalier qui a envie de tuer, dommage. Vous êtes mon prisonnier à présent, allez, Delinar. Et bientôt, j'aurai tous les nobles de ce pays de merde à mes bottes. J'ai déjà j'ai Sire Delinar, Sire Devlian. Et en plus, on a fait pas mal de bons prisonniers. Regardez ça, les hommes d'armes soidiens. Les arbalétriers soidiens. Parfait. Et du loot. Un beau cheval. 40 d'armure le cheval. Vitesse 30. Moi, j'aime bien la vitesse aussi. Hein. Maniabilité 44, charge 24. Le problème, c'est la vitesse. La vitesse me convient pas. Oh, attendez, c'était 71 là-bas. C'est Rafar. C'est le comte Jafar. Oh, je vais pas réussir à le rattraper. Je vais pas réussir à le rattraper, attends. Ah, le chien. Mon Khan, est-ce qu'on n'irait pas assiéger la forteresse? Nous avons remporté une belle victoire contre Sire Delinar, n'est-ce pas? Ouais, et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai capturé, mon Khan. Sire Greldina, allez, chronique de la lune noire. Selon vous, qui devrait recevoir le fief de Rodouna? Ah, je supporte mon Belir Noyan. Ah. Puis-je vous commande de me soutenir, moi? Oh, c'est osé de dire ça au Khan. Je ne veux pas entacher mes relations avec Belir Noyan. Ah là là, il fait de la politique. Il fait de la politique, plus je verrai un programme d'action. What is it? L'ennemi, il peut être poussé. Cette forteresse peut être peu... Ouf. Non, 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 attendez, attendez, attendez. Le problème, c'est que j'ai pas vu combien de gens il y a dans la forteresse. Non, non, ils sont trop. Ils sont beaucoup trop, malheureusement. Il ressortira, l'autre, là. On va aller à Dirin. On va aller à Dirin, place du marché, on va vendre un peu les équipements. Le cheval vaut cher. Voilà. Je présume qu'il n'y a toujours pas l'autre qui sera là. Allez, on va faire dodo. On va faire dodo. Le royaume de Swadia vous propose une somme de 1500 denier en argent si vous êtes disposé à lui vendre Sir Devlian. J'accepte l'offre. Voilà. D'ailleurs, avec l'argent qu'on a là, est-ce qu'on n'irait pas
Inventaire, 20 000. On va continuer à faire de l'argent. Simplement pour. Comme ça, je vais pouvoir commencer à dépenser après. Quand la paix va être signée, ça va être un choc. Donc on va continuer à piller tout ce qui peut être pillé. Oh, regardez qui est là. Un camarade. Il a 14 prisonniers. Ouh, regardez. 84. C'est Rafar. Il vient pour moi. On recommence. Sir Rafar. J'ai entendu dire que vous avez vaincu Sir Delinar. Et depuis ce jour, je suis impatient de vous pouvoir croiser le fer avec vous pour la troisième fois. Nous avons rendez-vous et vous serez bien traité. Écoute, ça c'est ce que tu crois. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Chargez l'ennemi. Ils sont 74. Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. Le terrain est magnifique. Laissez-les venir. Leur cavalerie va d'abord charger en premier. On va laisser leur cavalerie ne pas être avec les fantassins. Tiens, donc cette fois, il reste en formation. Ok. Voilà, parfait. Oula, ça commence à tirer. Voilà, maintenant on est bon. Allez, tranquille, on va arriver sur le flanc. Allez, chargez, chargez maintenant! On va aller, je vais aller vers les chevaliers. Les chevaliers sont les plus gros morceaux à abattre. Allez, la petite flèche dans le dos. Allez, chope-le dans le dos, voilà. Bon, on a fait le ménage. On a fait le ménage. Allez, on les a éclatés. Sir Rafar a été assommé par l'ancien Kergit. On a eu que 3 pertes, mais ils sont nuls à chier. Ils sont nombreux, mais ils sont nuls. 2 tués, 1 blessé. Allez, finissez-les. Finissez-les en vitesse. Ah merde, je suis pas mort. Le type que t'as harcelé en peut-être, hein. Regardez les deux pauvres diables là. Ils vont se faire sabater. Voilà. Allez, finissez-moi ça. Eh, le jeu est beau quand même, hein, y a pas à chier. Voilà. Magnifique, hein. Je dépose les armes et je vous félicite. Vous êtes mon prisonnier maintenant. Et on commence à tous les capturer, les nobles, là. Alors, Rafar, c'est qui le patron? Moins 60 à moins 63, Berlation, tu m'étonnes. Oh, regardez tout ce qu'on a capturé. Alors, infanterie swadienne, on capture. Vous savez que ça, c'était la garnison du château, hein. Tirailleurs swadiens. Fantassins. Ah, j'ai trop de prisonniers. Zut. Oh, le loot. 45. Oh là là, il y a des belles petites armures, là. Des belles armures, des belles épées. Tu lootes à gogo. Des arbalètes, des boucliers. Voilà. Belle victoire. On les éclate. Avec ma petite compo là. Oh là là. Les royaumes du Nord. Eux, on les connaît pas. On va pas trop chercher la merde quand même. Hein? Lui, il avait de l'argent. Quoique, attendez. Peut-être que les armures là dans mon groupe,
Je me demande. Ouh, attendez, j'ai des niveaux à faire prendre. Lancier Khergit. Cavalier Saranide. C'est vrai que j'avais libéré des Saranides qui ont rejoint mon joug éclairé. Oh, des chevaliers soigniens, yes. Même moi, j'ai pris un niveau, je crois. Personnage. Ah non, c'était juste les niveaux que j'attends ici. Groupe, ok. Et on va aller vendre. Non, dans le groupe, je voulais voir si Nizar, entre autres. Montre-moi ton bel équipement. 41-6, 41. Ok, d'accord, t'as une meilleure armure que ça. Jérémus, qui passe son temps à crever. Montre-moi ton armure, Jérémus. Mais non, pâté, retour. Zut. Je me suis trompé. Équipement. Voilà. Jérémus, j'ai une meilleure armure pour toi, du 45. Voilà. Ça va mieux t'aller. Et 38-3, est-ce que Nizar, les alites. Qu'est-ce que t'as, des alites? 39-11, t'as une meilleure armure. Et au niveau épée, 26-24. Ouais, 26-24, c'est à peu près équivalent. Bouclier fendu, écu simple endommagé, fendu. Ouais. Écu de cavalier, tiens, donc celui-là étant. Voilà. Parfait. Place du marché. Vendre des biens. Il y a de l'argent là à se faire. C'est quand même incroyable que des armes aussi qualitatives se vendent aussi mal. C'est souvent pour empêcher le spam de loot. Voilà. Allez hop. Pourquoi tu n'écoutes pas d'autres héros? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On pourrait aller voir la taverne, tiens. On va aller voir qui a la taverne. Marnide. Vous pouvez me prêter un verre avec moi, j'en suis réduit à mes 5 et je vais prendre de ne pas le voir seul. Alors écoutez, vous est-il arrivé? Moi je quitterai avec ma grosse caravane, ma caravane, des kergits. Des kergits! Ah si c'est des kergits, attention, attention à ce que vous racontez, monsieur, des calomnies! Vous accusez les kergits d'être des voleurs! Putain, en même temps. Vous savez vous battre. Non, je vais pas recruter tous les clodos de chaque caverne. Les mercenaires, j'ai pas besoin. J'ai déjà une belle armée. Ils coûtent cher les mercenaires. Hein. Pourquoi avoir des mercenaires quand j'ai déjà une belle troupe avec ce que j'ai là? Allez, petite nuit de repos. Les ennemis ont. Oh non, Amashke! Les fils de chiens! Ils ont attaqué Amashke! J'étais tranquille là, non. Oh. Est-ce que ça a arrêté la construction du moulin? Le chat. Est-ce que quand votre village se fait dévaster, ça arrête la construction? Parce que sinon, ça m'aura coûté très très cher. Hein. Il faudra que j'attende que la guerre soit terminée pour construire des trucs. Hein. Bélire vous informe que les seigneurs se réuniront à un banquet dans la salle de Nara. Ok, bah c'est parfait. Ça. Écoutez, Nara, c'est pas loin. On va aller à Nara. De toute façon, ce qui a été fait est fait. Quête échouée. Bah écoute, je t'emmerde. T'avais qu'à être là à l'heure quand tu m'as demandé. Alors, se rendre au banquet. Eh ouais, j'ai le droit maintenant. Fini l'époque où j'étais un vulgaire braconnier. Je suis un père du royaume maintenant. Alors, délire noyant, tiens donc. We meet again. Vous vous souvenez lorsqu'ils sont mis à couiner lorsque nous sommes montés sur les remparts de Dirim? Ils croyaient être en sécurité, mais on a effacé ces sourires. Bah, en même temps, je vous ai pas vu sur les remparts, mon cher Bélire. Non, discutons d'un autre sujet. Oh là là, c'est vrai que j'ai pas l'air du mec le plus sympa. Ah, je super. J'apporte mon support à mon frère Urumadan Wayan. Ok. Bon, voilà. De toute façon, il y a tous les clodos du coin. Ah, attends, Adam, t'as l'état. J'ai cru que c'était une nana canne. Je me préparais à exploser de colère. Peuvent détruire les bâtiments. Ah, fuck. Je suis tout loup. Nous avons combattu Dirim. Ah oui, bah écoutez, je me suis quasiment battu avec tous les depuis. Très intéressant. Ah ouais, ils ont tous peur. D'ailleurs, attendez, depuis le temps là. Depuis le temps, on pourrait. Eh, ma renommée, on en parle de ma renommée? Hein? Je commence à être connu! Sept d'honneur, renommée? Ça rigole pas, hein?
Bon, attendez. On va aller voir si à la taverne il n'y a pas le rançonneur. Parce que j'ai. Oh, le rançonneur est là! Quel tchad! J'ai des prisonniers à vous vendre, camarade! Allez, si on reçoit bien. Oh là là, il va le cher! Il va le cher! Magnifique! Magnifique! Voilà! Parfait, je vais rester quelques jours. Fantastique! Rentable! On va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Place du marché. J'ai plus rien à vendre. Retourner vers ville. Le banquier, on a vu. On est allé faire le kéké. Direction mon fief Damashke qui a été pillé malheureusement. Alors, royaume de Swadia vous propose une somme. Oui, regardez la rançon! Pour Sire Delinard, 1500 deniers, j'accepte! Eh, les rançons, c'est rentable, hein! Faire la guerre, on peut dire ce qu'on veut, mais. Ça paye, hein! Ah, mon pauvre village d'Amashke qui a été pillé, c'est terrible. On va voir. On va voir si le moulin a été arrêté de la construction. Ah, quitté, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Ah, le pauvre village. Mon pauvre village! Vous vous rendez compte ils sont allés jusqu'ici brûler. Ils sont allés jusqu'ici brûler mon fief, alors qu'il y avait plein d'autres terres à prendre autour. Ils sont venus brûler mon fief. Les espèces de rats. Espèces de rats immondes. Ils vont le payer, ça. On va aller se balader pour trouver des armées. D'ailleurs, on va même pouvoir à piller, forcément. Pillé, tout a été pillé. Oh là 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 là. Je vais leur rendre l'appareil. Hein. Je vais leur rendre l'appareil. C'est pas leur capitale, ça? Uxal? Peut-être, hein. Ah, attendez, les alliés a pris un niveau. Les alites a pris un niveau. Ça m'intéresse. Parlez, les alites, mon bon camarade. Les alites. Allez, intelligence, voilà. Hop, on confirme tout ça. Voilà. Il me faut plus de points en mentor après. Nomar serait une belle petite cible, hein. Allez, Nomar. On va venir piller ça. Hop là. Voilà. Ça, c'est pour mon fief. Que vous avez pillé, bande de bâtards. Oh, regardez ce que ça me coûte en thunes. Maintenant, mon armée est presque 2000. C'est Pravonne, la capitale? Ok. Galpinus Rex, Sir Rafar! C'est peut-être fait avoir par vos ruses! Mais si vous me combattez, vous découvrez un adversaire bien plus réactif! Déposez les armes ou je vous saigne comme un porc! Oh, déjà, tu me traites pas de porc. Et nous nous battrons. Ils sont 140! Oh! On y va, hein? Hey, on y va. Suivez-moi, 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 le terrain verdict. Suivez-moi. 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 On va les attendre ici. Ils arrivent. Il y a des fermiers, ouais. Oh, regardez, ça arrive. Regardez toute la racaille. Voilà, tous les paysans qui arrivent. Voilà. Ça, on va les manger, ça. Attendez. Oh putain, regardez les autres là! Allez, chargez! Charge générale, chopez-les tous!
Kangri reconnaîtra les siens. Voilà, je suis mal placé là. Ah le bâtard. Ah. Oh, il y a une nouvelle vague qui arrive. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux mais c'est plus clodo hein. Massacrez-les jusqu'au dernier. Ils sont nuls à chier. Oh le nombre de cadavres par terre, les a éclatés hein. C'est vraiment du gibon hein. Déjà leur armée était merdique. Voilà. Allez. Facile hein. Ah il a réussi à s'échapper. Bon, on l'a pillé le village? Je pense qu'on l'a pillé. Ah non, on l'a pas encore pillé le village. Oh, regardez qui arrive en renfort! Alagur Nuoyan! Salut camarade! Par contre là, attendez, on va. Je vais améliorer l'ancien Kergit. Magnifique, ça c'est de l'XP facile. Chevalier Swadien, on a 6 chevaliers Swadien. C'est de la belle troupe d'élite. Le problème, c'est que là, comment est-ce que je fais pour accélérer? Comme ça, peut-être? Ah, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on met les voiles. Par contre, j'ai pas pillé. J'ai pas eu les mêmes de... Ça a bloqué mon pillage, en fait. Ça a bloqué mon pillage, cette merde. J'ai pas eu les ressources, ou alors il y avait rien. Écoutez, on va camper sous son nez. Vous savez quoi? Je vais camper devant leur base, comme ça, chez eux. Border accident, ok. Tiens donc, c'est qui ça? Les verts? Ah, j'ai... Tant pis. Le groupe est à bloquant. Ok, tout le monde est prêt. On va retourner en campagne. On va retourner en campagne. On va aller près d'Uxal. Peut-être qu'il y aura des armées ennemies qui traînent dans le coin. Oh, il y a une... Oh, y a une très très grosse garnison. On va éviter d'y foutre les pieds. Ils étaient plus de 300, les bonhommes. Une caravane des royaumes Rodok. Non. On touche pas à ça. Oh là là, il est... C'est la valse. C'est la valse des châteaux, mais moi, on me donne rien. Non, je vais pas défoncer leurs brigands. Hein. Je touche pas à leurs brigands qui se démerdent. Oh, regardez. Là, ils sont quand même nombreux. Hein. Mais c'est du clodo. Hein. Il y a 10 milices swadiennes, 8 recrues swadiennes, beaucoup d'infanterie, arbalétriers, hommes d'armes.
À quel moment je vais avoir les yeux plus gros que le ventre? Sauvegarde! Non, 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 non! Pas de sauvegarde, mec! Si je me fais péter la gueule, je me fais péter la gueule! C'est le jeu! Je vais écouter mon instinct et je vais pas y aller. Oh merde! Allez, pour le beau jeu! Pour le beau jeu! Pousse avec une gueule de con comme ça, comment ne pas y aller? Votre célébrité vous précède, Galpinus Rex! Sire Clay s'est peut-être fait avoir par vos ruses, mais vous, si vous me combattez, vous êtes bien plus réactif! Allez! Chargez l'ennemi! On est à un contre deux, hein. Attendez les, le terrain va être très bon pour moi. Attendez les, attendez les, attendez les. Le terrain il va être magnifique pour moi. Ils ont beaucoup de fantassins, un peu de cave. Voilà, attendez, 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 attendez. Laissez-les venir. Voilà. Là-bas, ils arrivent. Pas mal, un peu de cavalerie. Comme dit, s'ils sont immobiles. Voilà, voilà, là, voilà, leur cavalerie. Ok, ils ont pas mal de caves quand même. Ah ouais, ils ont beaucoup de caves. Ah, ils ont... Oh là là. Ok, ils sont immobiles. On fonce. Chargez! Oh les bâtards! Les bâtards! J'ai été trop gourmand, je crois! Ah, je leur fais rien, ces connards! 24 flèches. Oh! Par quoi? On en a eu un. On est en train de les éclater, hein. Je regarde à gauche, là, on les ravage, hein. Oh là 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 là. Ouais, je fais pas de dégâts sur les armures, ouais. Malheureusement, j'ai pas un arc assez balèze. On a pris des pertes, hein. Alors, c'est qui le patron? Aïe 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 aïe. Le sire Meltor du Royaume Soldier a réussi à s'échapper. Oh là là, regardez, là on a capturé de l'homme d'armes, ça vaut cher. Du fantassin, du chevalier, on a capturé deux chevaliers soidiens. On a capturé du fantassin. Voilà. Et on a pris des niveaux, les Kargites. Magnifique. Magnifique. Oh le loot! Mitaine! Mais attends, Oh là là! Plus 1, la protection du torse. Attends, ça. Ok.
Ça sera pour mes compagnons. Ils vont en avoir besoin. Oh, il y a des belles bottes ici. Oh, les chevaux de guerre. On va foutre ça éventuellement à mes compagnons. Les chevaux de guerre, on va peut-être les mettre à mes compagnons. Oh là là, il y a des casques. 44 à la protection. Magnifique. C'est un régal. Le loot est innombrable. On les a ravagés. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Hein. Je vais pas le cacher. Mais j'ai une compo efficace, hein. Hey, ma petite compo là, elle fonctionne, hein? Voilà! Jérémus a pris un niveau! Quel Tchad! Groupe! Jérémus! Jérémus, vos compétences, mon bon Jérémus! Plus d'intelligence! Voilà! Et mon bon Jérémus, continuez à booster les premiers secours. Organisation de l'inventaire, non. Ouais, Jérémus, peut-être un peu de puissance de frappe, hein, continue à faire un peu de DPS. Jérémus, laisse-moi te donner ces gants que j'ai trouvés, une mitaine de mailles, voilà. 45, 20, 23, on va mettre des meilleures bottes à Jérémus. Et à Jérémus, on va aussi lui mettre un cheval de guerre. Ah, oh, il ne peut pas! Il ne peut pas, le pauvre Jérémus. Ah ouais, il lui faut 4 en équitation, fuck. Fuck, fuck, fuck. Bon, c'est pas grave. 36. 44 par contre, Jérémus, on va lui mettre. Voilà. Un beau casque. Ne prêtez pas attention. Nizar, Nizar, mon bon Nizar. Montre-moi ton équipement, Nizar. Mais non, pas patrogne. Nizar, t'as combien en équitation? 4 d'équitation, Nizar. Ah, il peut pas. Lui non plus, malheureusement, Nizar. Je crois qu'il a. Ouais. Il a pas assez d'équitation, Nizar. Tu peux encore up les compétences de Jérémus. Ah ouais? Attends, je vais aller voir. Jérémus, j'ai oublié de faire quelque chose sûrement. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, mais c'est que des armes à deux mains, des machins que j'utilise pas. J'attends d'avoir des trucs qui m'intéressent plus. Et là, ouais, mentor, connaissance du terrain, je m'en fous. Organisation d'inventaire, je m'en fous. Ouais, le premier secours, ça marchera toujours combien d'avoir ça. Voilà. Et c'est pas mal. Confirmé. Voilà. On les a éclatés, hein. Oh, j'ai honte de ce qu'on leur a mis là. Est-ce qu'on irait pas piller? On va aller voir dans le château là. Ils rentrent au château. Il y a qui dans le château? Ils sont combien? Non, non, ils sont trop nombreux dans le château. Par contre, on va les piller sous son nez. Non, je peux même pas les piller. Mon inventaire est plein à craquer. On va tant pis, hein. On va devoir aller vendre. On va retourner à la base. J'ai une armée. À la cave en pleine, ça rigole pas, hein. Et comme j'ai que de la cave, un peu de contact et tout, on fait des dégâts, des gros dégâts de charge, j'ai l'impression. Et ça encaisse bien. Ma renommée ne peut que monter, mais bien sûr, 252, c'est. On ravage le merdier. On va aller à Dirim. Bon, attendez, il va falloir que je m'arrête parce que je dois aller brasser cet après-midi. On s'arrêtera à Dirim. On va les vendre. Alors, place du marché, Dirim. On va vendre les chevaux, on va vendre. Quoi qu'attendez, peut-être que mes. J'ai pas vu, mais. Dans le groupe Nizar. Je t'aime bien, Nizar, mais montre-moi un peu ton équipement. 44, tes bottes. Ouais, bottes plus 22. Il a des belles bottes. Il a pas de gants, malheureusement. Et il a toujours son petit cimeterre qui fait du DPS. 32, t'as 32 DPS le cimeterre, ça rigole pas quand même. Hein. Ok. Et quid de les alites. Parlez, les alites. Montre-moi ton équipement, mon bon les alites. 36 et les bottes 21. Oh là là, mais ils ont tous des équipements de dingue. 36, ouais, non, non, ils ont. On est bien équipés déjà, hein. On est bien équipé selon les standards. Place du marché, marchand d'armure. Allez, on va aller vendre tout ça. Ça vaut de l'argent. Voilà. Voilà. Oh, les nombres de boucliers à la con. Oh, attendez, il n'y a plus de bouffe? Ah bah non. Bah écoutez, on va aller vendre un peu de bouffe. Hein. On va aller acheter un peu de bouffe. Parce que j'ai quand même une très grosse armée qui bouffe. Pas mal. Voilà. Un pot de pain, ça fera l'affaire. Parfait. Et au niveau des thunes,
On est à 23 000 de thunes. Pas mal. On est bien. On est bien. Bon, je vais m'arrêter là. Ce soir, avec Galpin, on fera du cards. Petit jeu de cartes sur la Seconde Guerre mondiale. Galpin, il joue depuis très longtemps. Il a plein de gros decks qu'il veut me montrer. Voilà. Donc, ouais, 20h. Demain, je passe sûrement une petite minute géopolitique sur l'extraction de l'or. Et en soirée, peut-être un petit... peut-être un petit Fallout lore. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Attendez, hop, si j'arrive à couper mon stream, voilà. Bonne soirée, bonne semaine, puis peut-être à plus tard. Ciao.